بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Toujours dans nos séries concernant ces petits surahs qui nous lient dans la masse, ce qui nous peut proposer aujourd'hui, c'est un petit rappel concernant un surah qui est beaucoup parmi nous, sinon nous tous, ces premiers surahs que nous n'apprenons pas, qui est comme nous en cours dans Maktab, là, 5 ans, 6 ans. Surah Ikhlas, ben les autres noms qui sont surah, c'est surah At-Tawhid, et un autre nom, c'est surah Al-Assas, la fondation. Qui Allah peut dire là-dedans, qu'on dit, هو الله أحد لي الله لي أن الله الصمد الله لي الصمد traduit par l'indépendant. لم يلد لي pas donne enfants ولم يولد ni les enfants personne ولم يكن له كفوا أحد et n'a pas un rien qui pareil comme Ali. Traduction simple, puis n'a aucune ambiguïté, puis n'a aucune confusion, puis n'a aucun mot qui est difficile, qui prête à confusion. Ça, c'est la force de l'islam, sa simplicité. L'islam, c'est quoi en des mots? Si on dit, nous vous dire l'islam, c'est n'a pas aucun bon Dieu, la ilaha illallah, n'a pas aucun bon Dieu, excepté Allah, Muhammadur Rasulullah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes, les messagers d'Allah. Quand nous guettons, ce contexte dans lequel il est révélé, comme nous fait comprendre dans ma session précédente, c'est que dans l'Arabie, pain, kotina, shirk, c'est un véritable la mort, shirk, toute forme politisme, toute forme shirk qui est, je dirais, concevable, je suis pratiqué. Mais l'Arabie me racontait que quand nous marchions là au désert, elle nous trouvait une jolie rose qui a une forme un petit peu particulière, un petit peu étrange, mais nous ramassons-les. Dans la case, nous commençons à prier. Nous gagnons une branche, nous gagnons une racine qui, quand nous guettons, nous trouvons, on dirait, une espèce figuier, une espèce ligier là-dedans. Nous prenons dans la case. Parfois, dans la Kaaba même, nous prions. Omar ibn Khattab de Allah, on dit, il y a une pratique que je peux faire dans Jahiliya. Mais Jahiliya, c'est la période avant qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vini. Il dit, quand on imagine ça, on va rire. Qui pratique ça, dit nous, à soir, quand nous sommes dormis, nous prenons tam, nous crase tam, nous donnons une forme un petit peu particulier, nous donnons une forme, je mets un latéta, je mets un lipia, je fais qui. Nous gardons quand nous lili. Avec l'idée que ça tam là, ça, nous devient une divinité, comme c'est l'évident de bon Dieu là, nous gardons quand nous lili avec l'intention qu'il nous protège nous pendant la nuit. Il nous protège nous pendant la nuit. Et quand nous levons grand matin, le premier chose qu'il nous fait, nous prenons tam, nous manger. Il y a comme vous imaginez, qui quand c'est un, quelque chose absurde, non-sens, puis n'a aucune logique là-dedans, ça c'était ça arabe là, ça. Pour tirer dans sa la mort là, pour faire quitter sa shirk là, c'était un travail colossal ça, parce que shirk il rentre dans son dissent, dans son DNA, on dirait, dans son la moelle, il vit par shirk. Il s'est disposé à laguer, touiller, craser, mais il n'est pas allé abandonner religion sur Bab Dada. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vini, il faisait comprendre que c'est un idole là, pas bon, c'est Salat, Manat, Uzza, Hubal, c'est un qui fabrique, c'est un propre lamé ça. Bon Dieu, il est en. Je viens avec le prophète, Siflana Rabbak. Mais décriez-nous ton bon Dieu là, qui est là ça. En qui est rangé pour nous, nous ne pas comprendre. Tu dis, nous, tu ne sois pas bon Dieu. Mais bon Dieu qui te dit, Allah qui toi te dit là, comment il était? Siflana Rabbak. Décriez-nous ton bon Dieu qui est rangé. Allô? En lozan, en marbre, en djiboua, de ne pas comprendre. Allah descend sur l'Ikhlas. Diezot, kol, diezot, huwa Allahu ahad, li Allah li en. Aussi simple que ça. Li Allah li en.
Pena 2, pena 3, pena 8, un seul bon Dieu. Tous les restes, c'est créature, un seul créateur, un seul. Pena personne qui font partie, qui vient se partner dans, dans sa acte de créer. Là, il est tout seul créateur, il est tout seul maître, tous les restes serviteurs. Ni tout seul propriétaire, tout ce que vous trouvez. Ni tout seul propriétaire, tous les restes locataires, temporaires, viennent pour des jours aller. Allahu Samad. Allah dit As-Samad. As-Samad, c'est un terme bien profond qui nous gagne dans le tafsir, beaucoup d'explications. Et ce qui vient commun, c'est que As-Samad, c'est quelqu'un qui est indépendant. Pas besoin de personne. Il n'y a pas besoin de personne, il n'y a pas besoin de rien. As-Samad. Mais toute la création, besoin lui. Toute la création, bizin li, nous bizin Allah. Nous bizin Allah dans sa seconde, non, dans sa milliseconde de nous la vie, nous bizin Allah. Si nous pouvons vivre, n'importe qui créature, l'eau sur la terre là, si nous pouvons vivre, c'est par permission, par privilège, par faveur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dit As-Samad. As-Samad. Il n'a pas besoin de rien. Il n'a rien. Et nous n'aimons. Nous rosa. Non, nous n'aimons, c'est pour nous. Nos rosas, c'est pour nous. Nos sacrifices, c'est nos propres du bien. Pour nos propres l'avancement matériel et spirituel. Nous décrons Allah, nous lecture Coran, nos sadaqas que nous faisons. Tout nos manements actions, c'est pour nos propres du bien. Allah n'a pas bénéficié d'aucune façon pour nos manements au travail. Jusqu'à tel point, nous comprenons sans saint hadith. C'est que si demain, 7 milliards de monde nous sont là, 7 milliards de monde, rassemblés dans l'endroit, nous étions en train de partir aujourd'hui, nous pas pour travailler, nous pas pour le choisir, nous pas pour le promener côté belle-mère, nous faire zikrullah ce que nous mourons. Nous voulons lire Coran, nous pour faire tasbih, nous subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, nous joindre, nous faire zikrullah jusqu'à ce qu'il arrive mort. 7 milliards de monde, là, tout le monde qui existe, 10 milliards de monde, 20 milliards de monde, nous joindre ça à l'assemblée, nous faire zikrullah, nous faire hamd Allah subhanahu wa ta'ala. Ça pas pour augmenter, non, rien dans grandir Allah. Non, rien. Pareillement, je me dis matin, 7 milliards de monde, tout d'accord, nous pas pour reconnaître bon Dieu, nous pour arrêter de faire namaz, fermer tout masjid, arrêter de lire Coran, arrêter de faire zikr. Ben, il y a 10 milliards de monde, nous aussi pareil, nous pour arrêter de faire tasoui, nous pour arrêter de faire hamd. Ça pas pour diminuer, non, rien dans grandir Allah. Dans le même Allah, déjà, il possède hamd. Il n'y a pas besoin de moi, ou il n'y a pas besoin aucun, c'est ça, As-Samad. Il n'y a pas besoin de la création, du tout. Du tout. Nous nous besoin de lui. Nous besoin de son rahmat. Si nous pouvons vivre aujourd'hui, c'est par son rahmat. Aujourd'hui, 2022, après une pandémie, nous bien capables de réaliser ça. Quand nous imaginons qu'il y a une pandémie, il y a une passée, il prend 6,2 millions de monde en aller. 6,2 millions. Qui s'est affecté, pandémie là? Nous, poumons. Respiration, c'est ça que tu disais, ventilateur, respirateur. Une bise, nous tous nous connaissons un mot parce qu'il n'est pas capable de respirer, pas capable de faire l'oxygène descendre dans le poumon. Et c'est incroyable, ça m'a une leçon qu'il y a dans sa pandémie là. Boris Johnson dans ICU, pas capable de respirer. Great Britain, ce premier ministre dans ICU, pas capable de respirer. Nous, Maurice, nous connaissons. Ex-premier ministre, il nous a pris un avion, un fret, avion privé, al dans l'Inde pour le débousse poumon. Il y a des gens qui me connaissent, 1,5 million de pays dans la clinique. 1,5 million, monsieur, madame. Pourquoi pas, vas-y, respirer. Pourquoi respirer normal? Si nous comprenons que si nous devons respirer, permettre d'oxygène la rentre dans nos poumons, sans qu'une difficulté, c'est par l'eau d'Allah. Ça pandémie, fait nous comprendre. Il y a même un message, il connaît que si nous pouvons respirer, c'est une action petite gratis qui existe, qui nous fait depuis nous nés, jusqu'à nous mourir, nous y a 85, 87 ans. Non, on ne peut respirer par permission Allah. Il y a beaucoup qui disent respirer par ventilateur. Il y a qui disent respirer par respirateur, pas de patiné. Nous connaissons l'histoire qui nous fait traverser des millions. Non, nous pouvons respirer par l'eau d'Allah, par permission Allah, par As-Samad, sous bénédiction. Ça, nous sommes capables de conscience. C'est qu'il faut nous comprendre que quand nous sommes dehors, dit, mais, t'as l'air. Yarab, tu me permets pendant 45 ans respirer librement. Ça ne m'a pas un bill, Yarab. Ça m'a dit, si pas payé, stock l'oxygène pour diminuer. Donne-moi ça gratis. Je vais donner 10 roupies, 10 mon Yarab, par gratitude, parce qu'il te fait faveur au moins, et tu vas continuer à faire l'île au moins. Ce qui nous prend pour granted, ce qui nous prend pour l'argent comptant,
aujourd'hui nous connaissons l'importance et nous traitons d'une façon extraordinairement claire par sa pandémie qui nous travaille ici là. Donc à Samad, celui qui n'a pas besoin d'en rien, mais nous besoin lui. Nous besoin lui dans chaque minute, non, dans chaque seconde, dans chaque microseconde de nous la vie, nous peut servir des dizaines de milliers de faveurs qui nous mettent dans nous l'écho, qui nous mettent autour de nous, qui nous peut servir, ça nous peut vivre par sa première mission. C'est lui à Samad. L'homme yelid, il peut nos enfants, il n'est pas enfanté. Ou l'homme yulad, ni les enfants qui kennent. Ni les enfants qui gagnent, les papa, les maman, les tcha-tcha, kala, maman, grand-père, grand-père. Voilà, mioulad. Voilà, miakoulehu, koufouan ahad. Et pena, non, qui pareil comme Ali. Il est tout à fait unique. Il est tout à fait unique. Et ça, bout de verset là, en lui-même, il devient, comme si il ferme tout bas la peau de chirque. Parce que nous, du monde, nous avons des gros maladies. Une première maladie qui est humaine, c'est qu'il y a quelque chose de simple, il n'est pas trop content, il est simple. Un mirail blanc, il n'est pas trop content. Donc on a mis la peinture là, right? Mettre un calendrier, mettre un cadre, il donne la tire ça. Pareil comme ça, quand on a un aqida aussi simple que ça, par rapport au tawhid, dis-moi avec le temps, il essaie, on dirait, d'ajouter une petite affaire. Finalement, dans nos maladies, c'est qu'il nous rend tout ce qui est simple, nous rend compliqué. Nous rendons compliqué. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il révèle l'islam, le culte de toute sa simplicité. Sa robe-là, elle est accessible à nous. Ça. C'est ça que le prophète vient faire. Il fait bon Dieu vient accessible à Dimoun. En même temps, déjà, la maladie qui Dimoun est là, c'est qu'une maladie nous humanise bon Dieu et nous déifie Dimoun. Nous prenons plaisir d'en faire bon Dieu vin Dimoun et d'en faire Dimoun vin bon Dieu. Quand un man Dimoun tout Isa alayhi salam né, pena papa, j'habite René, mais so papa c'est bon Dieu. Normal ça, nous tous nous comptons enfants, nous tous nous comptons quand nous garçons, ou assis ou trois garçons là, comme un Zayden. Alhamdoulilah, un plaisir ça. Hein, tout content, entouré ou content ou entouré comme des enfants. J'ai dit, bon Dieu, papa, nous garçons, t'as. Hein, alors c'est pareil, ça que nous comptons, nous prenons ça man très là, nous appliquons avec Allah. N'applique avec Allah. Ça veut dire, l'Oualam yakoulehu koufouan ahad. Pena non, y'a qui pareil comme Ali. Pas essayer pour nous faire nous une projection. Pour ça qui nous content, nous, Allah, je suis content. Nous content manger, nous content manger briani, nous content halwa. Right? Nous pensons, bon Dieu aussi, content manger. Dans tout culture, il y a le terme de offrande. Offrande, c'est offert, bon Dieu. Dans l'islam, pena offrande. Ça n'a pas besoin, il n'y a pas besoin de la doux. Il n'y a pas besoin de la bougie, pas besoin de la danse. Non, non. Offrande, pena de l'islam. Il n'y a pas de faim, il n'y a pas de soif, il n'y a pas besoin de manger, il n'y a pas besoin de boire, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de secrétaire. Pas besoin de secrétaire, il n'y a pas besoin de ministre, il n'y a pas besoin de premier ministre. Non, tu as besoin de passeport sur PS. Mon arabe de Jahiliya met 360 PS. Passeport, van idole pour son Allah. Quand tu penses que c'est mon idole là, non, ne pas prier aux autres, nous connaissons Allah. Mon arabe, tu connais Allah. Ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa. Nous pas prier les autres, excepté vous êtes approche avec Allah. L'islam vient casse tout. Ça veut dire on s'arrable li tout seul, li unique, li un, li pena secrétaire. Et comme on a dit quand wa nahnu aqrabu ilayhi min habl al warid. Nous plus proche avec où qui ou la veine li cou. Pas le rôle doit dire secrétaire, PS, PAS pour une jeune. Non, mon proche avec vous autres, inni qarib. Dans Ramadan, c'est ça, dans le paragraphe que Allah peut cause concernant Ramadan, nous mettons au milieu, il n'y a pas de proche avec autres, moi avec autres, mon compte dans quelle situation je vais traverser, mon compte sacrifice que je peux faire pour gagner, mon amour, mon connaît que je vais rouler, mon compte de motivation, mon connaît ce rêve qui était, c'est moi, Rab, c'est ça, Rab, pour l'anamine. Ou alors, il n'y a qu'un lehu, koufouan, ahad, il n'y a rien qui est pareil comme Ali. Il n'y a pas d'enfants, c'est pour ça que le Coran dit, quand un chrétien dit à Jésus, fils de Dieu, le Coran répond, « Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. » En vérité, l'exemple de Isa, Jésus, auprès d'Allah, lui paraît comme Adam, alayhi salam. Jésus, il naît avec une maman sans papa, mais Adam, alayhi salam, il naît sans maman et sans papa. Mais si là-bas, je dis fils de Dieu, parce qu'il n'est pas papa, mais jamais une personne dit Adam, fils de Dieu, parce qu'il n'est pas ni papa ni maman. Pas logique ça réflexe, ça n'est pas logique ça raisonnement là. C'est ça qui on a vérifié nous comprendre. Pas à bord Allah
avec une approche humaine. Non. Qu'on Allah par façon qui qu'on enseigne nous et par façon que ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous. En même temps, faisons-nous comprendre que nous, ce qui nous est là par rapport à Allah, c'est pas nous pas capables de connaître Allah. Non. Nous ne connaissons pas sifat Allah. Nous ne pas méditer l'eau Allah. Non. Nous cerveau les limiter. Un cerveau limité pas capable de saisir l'infini, l'illimité. Non, non. Ce qui nous réfléchit l'eau. Allah Ta'ala sur un sifat. Allah Ta'ala Ar-Rahman, de pardonner, de pardonner, de continuer à pardonner. Le Sami'un, Al-Sami', c'est lui qui tente tout, tout ce qui est dans l'étendue, tout, puis il n'y a rien qui échappe. Tout, il comprend tout, il tente tout. Le Al-Basir, il compte tout. Le Al-Alim, il est au courant de tout. Puis il n'y a un fait, ou même un test de min waraqatin illa ya'lamuha. Puis il y a un fait, tamarin, qui s'appelle le loin de branche, il est détassé. Il traverse, il fait des trois petits tours dans l'air, après il le pose, excepté par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Ça rappelle il y a l'alim, il est au courant de ça. Il connaît qui, quand nous dit 5 et 59, combien fait Tamara, il descend de l'eau au pied, c'est par sous permission. Il est au courant de tout. C'est ça, ça rappelle qui nous a prié là. Et nous, c'est qu'en même temps, nous, dans nos relations avec Allah, c'est qu'il nous connaît qu'il y a Allah, dit Al-A'la. Quand nous faisons la messe, subhanahu rabbi al-A'la, Omo Rab. Tu es très pur, tu n'as aucun défaut, tu n'as aucun manquement, tu n'as pas besoin de personne, tu n'as aucun handicap, tu n'as aucun nous dit, défaut. Subhana Rabbi al-A'la. Al-A'la, li au-delà de tout ce qui va nous dire, il nous met comme Allah. Al-A'la, li transcendant, li dépasse tout ce qui. Il va dire, nous résoudre tout ce qui l'image qui dit, un bon Dieu qui n'a pas 4 têtes, 5 pieds, un bon Dieu qui. Supposons il y a des enfants, il y a des petites filles, des garçons. Tout ça, c'est un concept humain. Nous résidons. Al-A'la, un concept qui réside, transcendant, au-delà de ça, c'est quelque chose, c'est une fabrication qui dit mon attache avec Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, nous avons dans la tête, c'est que Allah ta'ala, il a le concept de bila kaifa, without how. Tu ne peux pas comprendre. Quand nous voulons dire qu'on a Allah, il a l'âme. Pas essayer de comprendre Allah sur l'âme qui était. Tu ne peux pas comprendre. Quand nous causons, on va dire, ouais, Allah t'a sur visage. Nous ne sommes pas capables de comprendre. Nous, humains, il ne faudrait pas nous aller essayer de comprendre l'âme Allah comment elle était, trône Allah comment elle était, son visage comment elle était. Nous ne sommes pas capables de comprendre. Si nous entendons, nous ne sommes pas capables de tomber dans le couvre. Donc, nous sommes capables, limite-nous à ce qu'Allah t'a, il nous donne nous, dans Coran, une explication que ce prophète il nous donne nous, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, ce moment-là, autant les simple, direct, facile, mémorisé, c'est base de l'islam même. C'est pour ça que je savais dire Al-Assas. Une parole que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous comprend que tout le ciel et la terre les reposent le Qul huwallahu ahad. Ce qui veut dire, c'est que ce système-là pour continuer à exister aussi longtemps qu'il peut y avoir un djimoun dans la terre qui peut qu'on Qul huwallahu ahad. Zouki dernier djimoun, nous disons que l'islam commence à diminuer, les musulmans diminuer, diminuer, diminuer. Living 10, living 5, living 1. Dernier djimoun qui connaît Allah. Dernier djimoun qui connaît Qul Allah wahad, comment il finit Allah fait un département là. Ça c'est logique, logique, ça donne à la fonctionner. Ça souvent là, les petits à la fin nous réduisent à les simples, mais les incroyablement lourd, profond et une valeur inestimable. Un tiers Qur'an, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un tiers Qur'an. C'est un surah qui, bien entendu, tout nous lire, mais développe un amour dans le lien. Quand tu étais ou dans le bis, ou dans la rue, ou dans le sommeil, ou dans le bureau, habituez-vous à dire Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est une action simple qui rapporte gros dividendes, gros dividendes. Habituez-nous à rester dans Qul huwa Allahu ahad. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoie une expédition. Il y a un homme qui est comme amir de cette expédition-là. Ça dit, Moula, pendant l'expédition, chaque namaz qu'il fait, il lit sur la Fatiha, il lit une surah, après il lit Qul Huwallahu Ahad. Tout rakat. Quand Moula est retourné, il rend compte que le prophète dit tout ne passe bien, tout ne passe bien. Et alors, cela, c'est maintenant une affaire seulement. Ça dit, Moula, qu'on mette là, dans tout namaz qu'il fait, il lit sur la Fatiha, il lit surah, après il lit Qul Huwallahu Ahad. Le prophète dit, Moula, dis-moi, qui fait, il fait ça. Je me suis dit, je disais, je compte à sa sourate là, là-dedans, il y a un sifat de Ar-Rahman là-dedans. Je me disais, pour ça, le prophète dit, Akhbirouhu adnallaha ta'ala yuhibbuhu. Informe-lui
qui Allah Ta'ala lui aussi content lui. Quand c'est qu'il est content sur la Qul Huwallahu Ahad, c'est quand c'est Allah Ta'ala aussi content toi. Il y a une autre riwayat que là on dit au Madinah à Quba. Dans Quba, un bon musulman, un homme en qui ken comme imam de cette langue fait namaz. Il fait namaz, mais c'est massacre de chaque namaz, il y a sur la Fatiha, il y a Qul Huwallahu Ahad, après il y a une sura. Sur la Fatiha, Qul Huwallahu Ahad, après il fait la surinat. Je me dis, mais qui fait que tu peux faire ça? Tu peux faire comme tout le monde, tu es sur la Fatiha avec un surah. Soit tu dis, Qul Huwallahu Ahad, soit tu dis, un surah. Il dit, je vais faire comme ça moi. Je vais te dire, je vais faire imam comme ça. Je vais parler de l'autre, je vais faire imam. Je dis, je suis content, tu as la spiritualité, la connaissance, je n'avais pas fait de compte, je fais imam. Mais c'est parce que j'ai l'occasion pour la suite, je vais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je l'explique, c'est ça. Un tel dans l'endroit, Kouba, il fait imam, mais c'est maintenant tout ce namaz, sur la Fatiha, Qul Huwallahu Ahad, après un surah. Je me dis, qui fait tout faire ça? Je suis content de ce surah, Ya Rasulallah. Je suis content de ce surah. Le prophète dit, « Hubbuka iyaha adkhalaka al-jannah. » De l'amour pour ce surah-là, il finit fait un rang de paradis. De l'amour pour ce surah-là, il finit fait un rang de paradis. Il n'est pas si content que le surah, à cause du coup, les vésités mécaniques battaient 3 minutes de la canteline. Non, il est content sur surah parce qu'il a dit, c'est un sifat al-Rahman. Il dit, il y a ça avec passion, avec dévotion, avec toute cette compréhension qui est bizarre, parce qu'il peut réproclamer, il peut renouveler sa conception de tawhid. Ça, c'est qu'on voit Allah. Un sahaba, Muawiyah, Muawiyah, Al-Layti. Différent de ce que nous connaissons comme Muawiyah, qui pouvait une cinquième après aller dans une palienne. L'autre, il mot, il finit faire son namaz zanaza. Quand le namaz zanaza finit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam informe ce sahaba, il a 70 000 anges descendent de le ciel, il vient faire un namaz zanaza pour Muawiyah, Muawiyah, Al-Layti. Il dit, Rasulallah, mais qui fait ça? 70 000 anges. Quand on a namaz zanaza, on a 70 000 monde rentrer. Il dit, 10 monde dans namaz zanaza, moi, j'ai ta faute de guetter. 70 000 anges viennent faire un namaz zanaza pour Muawiyah. Il dit, qui fait? Le prophète dit, parce qu'il est content, il dit, Allahu Ahad. Quand il était dans le bazar, l'olari, dans la case, quand il était partout, il dit, Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. En même temps, c'est, nous pouvons dire, nous pouvons renouveler tawhid, en même temps, c'est générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à Dimon. Mais une petite action qui rapporte gros, mettez dans nous, nous restons 3 jours pour nous mener, même dans l'après-midi, développe dans nous ça, nous pouvons dire ça, l'habitude. Pour rester dans dire Allah Allah. Quand vous êtes obéissant d'escalier, vous pouvez monter l'escalier, vous pouvez rentrer dans la case, rentrer dans la cuisine ou dans le salon. Allah Allah Ahad, Allahu Samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est un tiers Quran. Dernier petit point, plutôt dernier, c'est que dans sa surah, comme on dit depuis le commencement, c'est qu'il y a dans tout surah, il y a un mot qui Allah servi juste dans ce surah-là et il n'y a pas servi aucune place ailleurs. Dans surah Allah Allah Ahad, nous avons le mot de As-Samad qui paraît un seul fois dans le Coran. As-Samad. Lam yalid, yalid, ou lam yulad. Le mot yulad avec le mot kufuan, ça quatre mots là, Allah servi juste dans surah Ikhlas, juste dans la surah là. Après, aucune place, nous ne pouvons retrouver sa surah. C'est un mot là encore. C'est un petit peu comme on dit, un demande. Miracle Coran, dans chaque surah, il y a une identité, il y a un ton, il y a une portée, il y a une profondeur, il y a une spécificité par rapport à ce, nous avons par rapport à ce, l'arrangement linguistique. Il y a un mot qui ne servait dans ce moment-là qui n'existe pas tout. C'est pour ça que nous commençons à quelqu'un qui ne prépare pas là, c'est même quelqu'un qui soit, nous avons dit, qui soit imagination illimitée. Non, non, non. C'est un quelqu'un qui a une source qui est illimitée, qui a une maîtrise, une dextérité incroyable par rapport à la façon pour exprimer. Nous demandons à quelqu'un de faire avec nous tous ici. Allah nous a cette offre qui, tous les jours, nous, capable amène, dans nous la vie. Dans nous la vie pour lier les. Avec un petit minimum de compréhension et applique-le par rapport à Tawhid, par rapport à nos dépendances, loi Allah subhanahu wa ta'ala, et l'indépendance Allah vis-à-vis de toute la création. Nous demandons à qu'Allah accepte nous en disant faux, qu'Allah fait nous vivre avec Iman, Mohammed, et relever avec Iman de l'Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.